Première partie terminée, membre du jury, notez bien. Hein. Ne soyez pas trop sévère pour une fois. Pour une fois, je vous en prie, ne soyez pas trop sévère. Non, non, ils sont toujours très bien. Alors, parmi les 7 candidats, hein, un seul sera retenu, bien sûr, pour la fin des défis. Ça, vous l'avez compris, bien évidemment. Bien, nous allons commencer maintenant la... Oui, c'est comme ça, de profil, non? Nous allons débuter cette deuxième partie de spectacle avec une artiste formidable qui aime chanter le jazz. Elle s'appelle Adèle Belmont, s'il vous plaît. Applaudissements pour cette artiste. Bonjour Adèle, nous sommes ravis bien sûr de vous accueillir. Alors vous avez un parcours artistique assez surprenant, extraordinaire, aussi bien l'opéra, du jazz, un petit peu tout. Vous êtes dans tous les univers. J'ai eu envie de ressembler à mon métissage. Donc avec une formation lyrique au départ, j'ai mélangé gospel, art lyrique, jazz et des touches de créole. Alors vous avez enregistré un album, c'est sorti, voilà. Vous êtes à votre troisième, dernier album, on l'écoute. Moi, j'aime bien l'écouter dans ma voiture. C'est un lieu extraordinaire pour écouter les CD. Hein. Voilà. Et donc, vous allez interpréter l'un de vos titres. Voilà. Et il y en a. Alors, il s'appelle Rosa Simmons. Et c'est un titre issu d'une histoire vraie, tu sais. En fait, j'étais à New York et j'avais loupé mon avion. Et quelquefois, j'ai loupé son avion à Dupont. J'avais pas mangé depuis 10 heures et j'avais mon prochain avion 10 heures après. Et j'avais un dollar en poche et j'ai demandé au charret un petit bol de riz, quelque chose, on m'a dit non, non, non. Et puis tout à coup, il y a une dame qui s'appelait Rosa Simmons qui a mis sa main sur mon épaule comme ça et qui m'a dit « Come on with me, you're my baby, you're my sister ». Et elle m'a invité à manger au restaurant chinois, tout un repas. On a joué au croisier, écouté du gospel avec chacune une oreillette. Et j'ai créé en son honneur Rosa Simmons. C'est ça que je vais vous interpréter. Et bien, on va vous écouter. Adèle. Rosa Simmons. Je descends
applaudissements pour Adèle, s'il vous plaît. Et bien, c'est la présente. Bartosz, on a dit que ça va être en gloire. Alors, viens nous en retrouver, parce que Bartosz, c'est sur les vacances pour lui aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, notre Bartosz va venir nous retrouver dans très peu de temps. En attendant, je tiens à vous faire encore une petite publicité, information nécessaire, indispensable. Sachez que désormais, eh bien, ceux qui veulent partir avec nous l'année prochaine en Polynésie, eh bien, il suffit d'aller voir M. Anthony Dumas, il vous donnera toutes les précisions. Nous marchons avec GLT Voyage et Air Tahiti Nui. Voilà. Et vous partez. Et Jason, bien évidemment. Jason, c'est notre candidat chanteur. Mais les organisateurs, c'est eux. Alors donc, il suffit d'aller voir notre ami et vous partirez avec nous sur le cocotier. Tu imagines l'île nue sur le sable blanc, mais c'est formidable. Non, mais il y a des rêves comme ça. Eh bien, c'est peut-être possible pour l'année prochaine. Je sais qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une matinée un peu spéciale. Beaucoup de gens du métier sont ici. Pour nous, les artistes, ce qui est très important, c'est de faire de la scène. Il y a des directeurs d'établissements, de tournées qui sont là pour écouter, pour apprécier, essayer de faire travailler aussi tous ces artistes. Plus que n'importe quel disque, eh bien, c'est la scène, notre vie, face au projecteur. Merci, messieurs, dames, de vous être déplacés, en tout cas, pour eh bien écouter et passer un moment, je l'espère, en tout cas pour vous, sympathique à écouter tous ces jeunes talents. Voilà. Oui, oui. Il y a notamment une association qui s'appelle Starcel, qui est dans le Perche, qui vient eh bien, de se lancer avec bon nombre de spectacles, notamment un musical du côté de Nogent-le-Rotrou, hein, qui va être lancé. C'est vrai? Ah ben voilà, tu vois, tu as de la famille, Fabienne, là-bas. Et en plus de ça, eh bien, il y aura toute une tournée en France comme au Maroc. Je tiens également à remercier eh bien, Karim Brichter qui va être ici, voilà, dans la salle, qui est donc le président de cette association. Après toutes ces publicités, j'imagine que notre ami Bartosz est prêt, ou presque. Alors je vais devoir encore travailler sans prompteur et en direct, mais c'est ça la vie d'artiste. Alors là, Bartosz, hein, tu vas me le payer, quelques bouteilles de champagne en plus, assurément. Hein. Je tiens également à remercier eh bien, notre ami ici présent, c'est vrai, le Casino de Paris, le Théâtre des Lombards, eh bien, tous ces grands établissements, ESA, évidemment, Destrey, et toi, Olivier Briac. Eh bien, nous sommes allés cette année, voilà, quelques semaines, même pas quelques jours, chez toi, là-bas, au Tiki Village, dans ce lieu formidable, où l'on chante, où l'on danse, où les touristes du monde entier passent. C'est lui qui a monté ce village extraordinaire, et aujourd'hui, il est chez nous. Ah, pas le soleil de Polynésie, certes, hein, on peut avoir un peu d'imagination, mais en tout cas, ça nous fait tellement plaisir de t'avoir. Alban de Jon est également ici. Merci Alban. Voilà, après toute cette publicité, eh bien, nous ne sommes pas sur France Télévisions, mais presque, nous allons accueillir enfin M. Bartosz. Applaudissements pour M. Bartosz, s'il vous plaît. Et musique. Au fond, on ne t'agit pas trop, on est
Thank you.
française, notre charmante Reina, un bout de panneau de 2,50 m sur 1 mètre. Regardez ce qu'on peut faire. Thank you.
Un applaudi très fort, monsieur dame. J'essaye bien sûr de faire chaque année avec les moyens qu'on a, moyens du territoire, aussi du gouvernement. Et puis maintenant, cela nous facilite énormément avec la compagnie Intriguidoui qui nous aide beaucoup cette année avec les billets d'avion des candidats qui viennent en métropole. Et ça nous donne encore bien sûr beaucoup plus de chances de pouvoir réorganiser pour l'année à venir, notamment pour l'année 2015. Avec des sélections à Bora Bora, Rangiroa, Boréa, Tahiti et d'autres îles, les Marquises peut-être aussi. Oui, on a fait chaque année avec les Marquises aussi, mais cette année on n'a pas pu le faire, mais on pense pouvoir le faire l'année prochaine. Et bien, bonjour à toute ton équipe, à la Polynésie, avec ton soleil, ton sourire légendaire et ta gentillesse évidemment. Monsieur Théo, je te remercie toi, qui sont avec le concours qui
que sans ton concours ici, dans ce beau théâtre, eh bien, le pont musical ne peut pas exister. Donc grâce à toi aussi, cela nous permet, nous, de travailler de l'autre côté et de pouvoir faire participer nos jeunes à rencontrer d'autres artistes ici en métropole. Et je te remercie beaucoup pour ça. Merci. Parce qu'ensuite, il y a un autre artiste qui est surprenant, mais je me suis dit non, je ne peux pas chanter après lui, ce n'est pas possible. Alors je me suis placé juste avant, tu vois, comme ça, pas trop de risque. Hein. Alors, le soleil aurait peut-être rendez-vous avec la lune, on peut commencer avec ça. Oui, hein, oui, vous la voulez ou pas cette chanson? Oui. Je ne vous entends pas, Paris. Oui. Toujours aussi belle. Bien, Alexandre Chassagnac. Peut-être que certains l'ont déjà vu à la télévision, parce que c'est vrai que The Voice, Incroyable Talent, Julien Roson, il y a beaucoup de choses qui sont passées pour toi dans ta vie déjà professionnelle. Alors, tu es originaire de Bordeaux, du sud-ouest? Oui, tout à fait, de la région de Question-de-Bataille, à côté de Saint-Émilion. Saint-Émilion, tu connais la région. Annie, Saint-Émilion. Là, il y a du bon pinard. Hein. Les gens chantent bien. Déjà,
le Bordeaux, on la voit partie, c'est très bon. Je sais pas, moi je bois pas d'alcool, donc déjà c'est très vite limité. Non, bien sûr, les cépages artistiques existent hein, dans notre région. Seul le petit bémol, c'est que chez nous ils aiment rester, donc très souvent ils préfèrent congratuler et aider les gens qui sont autour dans notre région. Et puis des fois ils viennent faire des petits coucous, mais ils sont toujours rappelés par le côté cépage et la vérité qui est le terroir. Et le terroir. Notre vérité aujourd'hui, la réalité, c'est de t'avoir avec nous. Et ça nous fait vraiment grand plaisir. C'est un moment évidemment de bonheur. Vous avez partagé des moments extraordinaires avec Alexandre. Toujours la simplicité, mais la voix surprenante. Deux titres pour lui qui étaient programmés aujourd'hui. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous allez en connaître au moins un. Alors Alexandre, de public parisien, est à toi. Profitez, faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. Merci.
C'est de savoir reconnaître un colorature. Aujourd'hui, chez les hommes, on doit être deux, trois à être reconnu en tant que colorature gutturale. Et quel est le plus beau titre aujourd'hui qui puisse représenter les coloratures? C'est la Wally, qui est l'un des titres les plus pères fondateurs du lyrique classique féminin. Je vous dis tout de suite, je connais bien Gilbert Rozon, hein, qui est producteur, et des producteurs de quand même notre ami Charles Trenet. Depuis des années, c'est lui qui fait un incroyable talent. Entre autres, si Gilbert s'intéressait à notre ami Alexandre Chassagnac, je connais, hein, c'est un homme d'affaires avant tout. Hein. C'est un homme qui ne s'arrête pas sur n'importe qui. En règle générale, tu connais? Voilà. Moi, je connais depuis près de 30 ans. Alors, eh bien, c'est à toi maintenant, pour Noël, pour votre Noël, eh bien, Alexandre Chassagnac, tout simplement. Voilà. Merci.
souvenez-vous bien de son nom, si ce n'est encore pas fait, Alexandre Chassagnac. Il était là, souvenez-vous, un jour avec Sostrevi. Voilà, chez nous. Merci Alexandre. Et je terminerai juste, mon ami, juste parce que tu es quelqu'un de bien et tu es quelqu'un de bon. Et que je suis entourée de... Ouais, mais tu sais, je suis entourée que des gens bien. Et je pense que si vous êtes là, c'est pas par hasard. Donc, non seulement je vais te remercier, et qu'à toi, puis je voudrais remercier aussi ce monsieur qui est là. Parce que il m'a jamais oublié, et Dieu sait qu'il est là depuis un moment. Et en même temps, je vous donne rendez-vous, parce qu'il est temps de prendre au calendrier le 5 septembre. Parce que je serai à l'Olympia avec un grand monsieur, un monsieur qui a du cœur, qui s'appelle Olivier Villa, qui est un vrai artiste, un mec complet. Voilà. Bien sûr, oui, oui, venez me retrouver. Vous savez, oh oui, mais c'est du direct, on est en famille. Voilà. Et puis après il y aura nombre de chanteuses qui terminera. Et là, c'est la surprise aussi du chef. Vous allez l'entendre, vous allez l'écouter, elle va certainement vous séduire. Et puis ensuite, il y aura le cocktail, bien sûr, comme chaque année. C'est sympa quand même, hein, Christian. C'est sympa ton coffre matinée de chansons, voilà. Venez, mes amis, venez. Alors, je vais commencer à... Hein, voilà, et Mario, il va se préparer à la guitare. Voilà, toujours. Non, mais c'est dingue. J'en parlais en coulisses, mais il nous apporte tellement de bonheur, cette dame. Pas vrai? Oui! Les Français, partout où elle va, tout le monde s'arrête, tout le monde dit bonjour. Voilà, c'est la simplicité, comme le disait notre ami traîné, la simplicité est vraiment la marque des grands. Hein. Quelquefois, je disais à Charles, mais Charles me disait, mais c'est marrant, mais tout le monde s'arrête. Oh là là, mais je disais tout. Chose, c'est que tu t'appelles Charles, oui, certes, mais traîné aussi. Eh bien, toi, Annie, c'est un peu pareil. Voilà, elle est toujours étonnée, mais les gens l'adorent parce qu'elle chante vraiment. Eh bien, les voir, et c'est formidable. C'est comme Fabienne, ce sont des gens merveilleux qui nous ont tellement apporté la chanson française, et ça continue. Voilà, toujours avec le bonheur, la délicatesse, la gentillesse et le talent. Merci, mesdames, de vous déplacer pour soutenir cette génération d'artistes. C'est tellement important. Voilà. Allez, Mario, je vous remercie de votre très fort. Parce que... Moi, j'aimerais beaucoup aussi faire quelque chose avec Fabienne, parce que c'est une dame formidable que j'aime beaucoup. Et tu le sais très bien, nous sommes fidèles depuis des années. Bien, allez, tu vas nous faire une chanson pour le plaisir. Ça aussi, ça fait partie des cadeaux de Noël. On va changer de micro. Ah. Moi, je prends celui-là, tu vas prendre l'autre. Alors, on y arrive, ça y est. Bon, alors, donc c'est là... C'est bon, parce qu'il n'arrête pas de me dire, on n'en fait qu'une. Hein. Oui, c'est ça, on est pressé. Non, non, mais je dis ça parce qu'en coulisses, on dit, oui, mais allez. Non. Mais tu sais, hein, on n'est pas pressé. On a l'après-midi pour nous, hein. Non. C'est la soirée, et même la soirée, jusqu'au petit matin. Les battants sont des croissants, là. Les croissants sont là, on va au bal, je vous laisse. Allez. Attends, on va faire une douzaine de chansons. Oui, en passant, comme ça. On va pas s'en remonter. Si tu mets un peu de guitare, s'il te plaît. Oui. Oula, oui, là, ça sonne bien. Alors, on va faire une petite chanson très différente de notre répertoire habituel. Parce qu'en fait, quand on fait comme ça des petits tours de chant, en dehors des tubes, bien sûr, qu'ils sont... Hein, impossible à enlever. On fait aussi des petites chansons qu'on aime bien, des vieilles chansons. Celle-ci, elle s'appelle Le Tango Stupéfiant. C'est une chanson qu'a repris Anaïs récemment dans son album. Une chanson qui date de 1930. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas... Vous allez voir que les grands-mères de l'époque n'ont pas attendu les temps modernes pour se rendre compte de ce qui est des problèmes de stupéfiants. Exactement. Vous allez voir que nos grands-mères se défonçaient à bord. Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, c'était les rois du bastringue. Et dans les années 20-30, je peux vous dire que ça y allait. Le tango stupéfiant qu'on a découvert par une camarade qui s'appelle Caroline Claire, voilà. Qui est une chanteuse qui est maintenant un petit peu âgée, et qui a des chansons extraordinaires. Et celle-là, le tango stupéfiant, elle vaut son pesant de cacahuètes. On vous la fait. Et si vous êtes seul, on vous en fait 5 ou 6. Attention. Et nos entières, bien altérées. Mon amant, dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait pour calmer mon.
mon âme chagrine, je reste le cul en un soupçon de me piquer à la morphine, ou bien le sucer la coco. Mais ça coûte cher, tous ces machins. Alors pour fuir mon noir dessin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais. Hélas, mon âme torturée ne connut plus que d'un bon jour la venue des ailes séparées par le gravat de notre amour. J'aurais pu, d'une main caline, découper très grand petit morceau, le recoller à la sécotine pour le redécoller aussitôt. Troisième et dernier couplet, le destin funeste frappe enfin. Qu'ai-je donc fait, Jésus-Marie? C'est étonnant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon belloc, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, j'ai pauvre loc, essayer un autre exutoire. Oui, mais voilà, le plus de Paris. Ah oui, le California. Ah non, non, mieux, le California. Vous connaissez une croisière. Les croisières, vous connaissez, hein? Eh oui. Vous allez voir ce que ça donne. Vas-y. Alors, lundi. Alors, ça commence lundi. Je monte à bord du California, on me présente le commandant. Mardi. Je dîne à la table du commandant. Mercredi. Je respire l'air de la nuit à la passerelle du commandant. Jeudi. Il me fait des propositions intimes d'un honnête homme et d'un commandant. Vendredi. Il dit qu'il coulera le navire si je ne lui cède pas. Il est pressant, le commandant. Samedi. Je sauve 700 personnes. Rapidement le chant, le jeu suivant des Jardins de Paris, qui est pas mal aussi. A capella. Alors ça commence comme ça. Au Luxembourg, j'ai fumé une gitane, une royale au jardin des Tuileries. Au parc Monceau, j'ai fumé un Havane et un Ninas dans le parc Montsouris. Mais croyez-moi, tout cela ne vaut pas une bonne pipe au bois de Boulogne par un bel après-midi. Une bonne pipe au bois de Boulogne, ça, c'est le paradis. Donc c'est plus quand, tellement c'est vieux. Alors Mario voudrait bien faire son petit tour de route. Ah si, parce qu'en fait... Non, non, on va pas le faire. Mais oui, attends, il y a les... Hein, parce que tu sais, à vous partir faire de... Vous voulez faire un tour de route à 6? À partir de National 7, bon, tu alors, vois, Mario a fait autour moi, de la... Moi, je sais. Alors,
moi je veux bien, il y aura 10 bouteilles en moins, mais c'est pas grave. Allez. Je chante avec Mario dans ce cas. Ah bah oui, oui. Alors, oui. Alors, d'accord. Alors après avoir écouté longuement la nationale 7 de notre idole à tous, c'est-à-dire le père Charles, oui. Avec un camarade, nous avons commis il y a une quarantaine d'années la même chose, mais ça c'était une version moderne, ça s'appelle l'autoroute à 6. Ah d'accord. Et l'autoroute à 6, je vais vous la chanter, vous allez voir. Si à un moment donné vous avez envie de chanter, vous pouvez y reprendre pour faire les chœurs, c'est pas compliqué, ça vient tout seul. Alors attention, on est parti. C'est parti, on y va de plus. Oh, oui. Allez, on va. Autoroute à 6. C'est l'autoroute qui va à Nice. Autoroute à 6. Et peut-être même jusqu'à 10. Si tu prends l'autoroute à 6. Même si tu es de la police. Une chanteuse extraordinaire, chers amis, que nous allons recevoir maintenant. Elle s'appelle Sandrine François. Elle a représenté la France, voilà, quelques années. Elle est arrivée en 5e position, c'est quand même assez rare. On est bien d'accord, parce que depuis notre amie Marie-Myriam, voilà, c'était un peu compliqué. Elle aussi, eh bien, fait partie de la fête. Elle aussi, eh bien, va venir sur ce plateau chanter pour nous cette chanson qu'elle a interprétée. Elle a gagné un nouveau prix. Elle va nous en parler. En attendant, nous allons l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, chers amis. Ce qui est très mignon de Sandrine François, c'est qu'elle vient aussi avec son sac. Elle a son sac avant de venir, elle a son vœu du texte, tout est prêt. C'est ça qui est formidable. Elle va prendre ce micro-là, hein, Christian, hein, je vais lui donner ce micro. Voilà. Merci infiniment. Voilà, on va se retrouver pour les résultats dans une poignée de secours. Vous pouvez du reste rester, hein, vous pouvez rester en vie. Merci mes amours, vous êtes adorables, vous êtes très forts. Merci Christophe, merci Mario,
Merci à toi de terminer ce gala de chansons, gala de partage. Voilà. Alors lorsqu'on a l'Eurovision, lorsqu'on présente la France, il y a du stress bien évidemment, mais il y a du bonheur parce qu'il s'est passé des belles choses quand même après cette interprétation. Il y a eu le prix, il y a eu le prix. Il y a eu le prix de la presse internationale. Presse internationale, ce qui n'est pas moi. Voilà. On a reçu le prix à Marcel Besançon pour la meilleure chanson, donc voilà, on n'est pas revenu. Vide. Et en cinquième position, on n'a pas subi d'humiliation. On n'a pas rougi, hein, voilà. Non, là, mais c'est un peu normal, c'est tout à fait normal, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on savoure, et bien cette jolie voix, et cette belle chanson qui était composée, semble-t-il, par Patrick Bruel, et Alison. Voilà, écoutez, c'est la dernière artiste de cette matinée, et je te remercie d'avoir joué le jeu, tout simplement, en toute simplicité. Applaudissements pour Sandrine. Thank you.
ça nous fait d'autant plus plaisir, parce que tu l'as chanté avec tout l'amour, voilà, pour nous, voilà, c'était un petit rappel, mais en tout cas, dur pour toi, mais ô combien savoureux pour nous. Voilà, je te fais un gros bisou, ma petite chérie. On l'applaudit très très fort. Alors maintenant, eh bien, c'est l'heure évidemment de donner les résultats, mais avant tout aussi de remercier certaines personnes. Tout d'abord, notre ami Jean-Luc Curie, ouais, Lucky, bien bon Jean-Luc, bien Jean-Luc, voilà, parce que Jean-Luc est un cerveau tout simplement génial. Et on ne change pas, hein? Toujours pareil. Alors, Lucky! Toujours présent. Eh oui, toujours présent avec toi. Depuis l'Orange Bleu. Depuis l'Orange Bleu, hein? Avec Théo, hein, l'éléphant bleu, l'Orange Bleu, tout ça. Hein? On se souvient. Voilà, Jean-Luc qui est un aide formidable. C'est vrai qu'il m'a aidé à monter cette matinée de chansons, comme chaque année du reste. C'est vraiment l'amitié avant tout, le professionnalisme. Et c'est vrai, parce que, voilà, c'est un homme qui est généreux, et je ne dis pas, c'est pas du blue couleur, ce que vous voulez, c'est du cœur, c'est ça, ça vient vraiment de mon cœur, et tu le sais très très bien. Ça c'est vrai, voilà. C'est un être formidable, et je vous demande de l'applaudir comme il se doit. Ouais. J'ai ma photo ABL Studio, vous pouvez les applaudir. Mon photographe, Mike Bencaderi, Namo Yang, je te présente tout à l'heure, vous applaudir, très important pour les photos. Cody Namo, Rachel Valdemar. Et puis nos hôtesses d'accueil, dont une, Florence Lavita. Voilà. Alors, là maintenant, d'autres artistes, évidemment. Il y a, eh bien, Michel Jourdan. Michel Jourdan, on connaît Michel Jourdan, grand compositeur. Il ne veut jamais être membre du jury, Michel. Mais lorsqu'on parle de Michel Jourdan, on peut parler, entre autres, ah, oh, on a grand et bien d'autres artistes, parce que là, il y en a trop à lire. La liste est où es-tu, Michel? Où es-tu? Voilà. Viens d'aller. Merci beaucoup, Michel. Voilà, parce que Michel, je vous remercie. Voilà. Merci. Tu vas dire avec moi, il y a notre ami Fabien Thibault, bien sûr, qui était dans le Vincent. Vincent de la Méga, Neige Toiti, François Rossi. François Rossi, on va s'arrêter un peu sur François Rossi, attaché de presse. Aussi, où est-il, François? Voilà, il doit être par là. François, qui monte aussi beaucoup d'événements et qui nous aide à chaque fois avec son professionnalisme. Merci, mon François. Merci infiniment. Merci François. Il y a aussi M. Christian Georges, ancien barman et chanteur du Golfe de Roux, temple du rock'n'roll. Oui. Il y a Anne-Sophie David, il y a Christian Georges, voilà, il y a également Audrey Demange. Donc, puis après, bah, il y a il y a Bernard Moncel aussi, grand journaliste, bien sûr, que l'on aime beaucoup. Bernard, tu es là, tu veux être par ici, enfin, on t'embrasse très fort. Et il y a Chantal Thibault, il y a également le bord de Jean. Il y a Flèche Gordon, elle est là aussi. Où est-il, Flèche Gordon? Flèche, non, mais c'est pas vrai. Alors, Flèche Gordon, c'est toute une histoire avec Flèche Gordon. Parce que vous savez, avant de faire les présentations de plateau, les trucs, les machins, les chouettes, de chanter,
j'ai fait avec Flèche Gordon l'animation de 4 à 4. Pas vrai, Flèche? Parce que lorsque je raconte ça, on dit, oh bah oui, fabule. Non, 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 Flèche était là, et en deuxième partie, il y avait 4 à 4, seins nus, femme seins nus, d'accord? Eh ben, je m'en souviens, Flèche. Viens nous retrouver, tiens, viens nous retrouver. Justement, on lui demande une sécurité, là, je crois qu'on l'a trouvé. Viens nous retrouver, Flèche. Voilà, et puis il y a aussi d'autres artistes, bien sûr. Voilà, Maryse Bonnet qui est ici, Moura Najib, voilà, absolument. Et puis je tiens également à faire un hommage à deux personnes qui nous ont quittés cette année, et ils étaient là chaque année pour nous. Et ça, c'est très important, parce qu'ils sont toujours dans nos cœurs, bien sûr. Il y a tout d'abord Nicolas Skorsky, qui était compositeur, un être formidable, chaleureux, vraiment une grande valeur humaine. Et eh bien, il nous a quittés, voilà, très peu de temps. C'est lui, on se souvient des chansons de Claude François, « Ça s'en va et ça revient », voilà, c'était lui, et bien d'autres encore. Et puis, il y a un autre ami qui nous a quittés, et lui aussi, eh bien, on a vraiment le cœur gros parce qu'on en parle, parce qu'en général, il était toujours là. C'est notre ami Albert de Smet, journaliste, historien, voilà, des gens formidables qui sont partis trop vite. Alors, on les applaudit très fort parce qu'on est très fort à eux. Toute particulière. Bonjour mon Flèche. Voilà. Vous imaginez, voilà, je présentais Flèche Gordon. Hein. Tu avais un petit peu plus de cheveux à l'époque. Mais ça a changé, ben, tu sais, c'est avec le temps. On a rendu un peu, on a arraché. Ah oui. Alors, président des catcheurs. Non, DTN de la Fédération Européenne de Catch. Voilà. Tu en fais toujours du catch. Un petit peu, j'entraîne les jeunes. Voilà, mais ça c'est formidable. Toi, c'est du catch, c'est du sport avant tout, hein, c'est du spectacle, c'est une grande discipline, des gens formidables, c'est une grande famille. Merci mon Flèche d'être avec nous, ça nous fait plaisir. Voilà, on peut le faire extraordinaire. Alors, et puis je tiens aussi à remercier surtout les membres du jury et nos partenaires une dernière fois. C'est très important. Il y a d'abord Paul Becher, bien sûr, pour le piano. Et oui, pour nos artistes, pour le chanteur. Il y a Voyage. Et puis il y a évidemment, eh bien, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui, parce que c'est plus qu'important pour nous. Ce sont des gens qui ont fait un peu pour les futurs. Voilà, vous pouvez s'appeler très fort. Je tiens également à fêter l'anniversaire pour l'assistant. Eh bien, c'est notre ami Hugo, voilà, qui est héros parce qu'il fallait quelqu'un à la sécurité. Donc le pauvre, voilà, il n'a pas assisté au spectacle. Le pauvre, il est là-haut à savoir s'il y a des gens qui rentrent ou qui sortent. Mais vous pouvez l'applaudir très fort parce qu'entre nous, c'est lui. Il fait aujourd'hui, c'est pas le moment. Voilà, et merci à vous tous. Alors maintenant, je vais demander à toutes les personnalités de venir sur ce plateau, si vous le voulez bien, à Fabienne, venez, bien sûr, venez, les membres du jury, hein, les membres du jury, voilà, je vous dis, voilà, venez sur ce plateau. Je remercie également Olivier Klein, parce que lui, eh bien, il s'occupait du trophée, etc. Voilà, tous ces gens qui sont là, sans eux, ben, rien ne pourrait se faire. Vous voyez, il y a beaucoup de gens membres du jury. Le président, bien sûr, de Frontières, Talents sans frontières, Franck Mazzoli, qui va venir me rejoindre également. C'est une association formidable qui est dans le sud-ouest maintenant pour artistes. Et voilà. Venez, mes amis, venez me retrouver. On va faire quelques photos. On va donner, bien sûr, dans quelques instants, dans une poignée de secondes maintenant, les résultats. Alors, je ne sais pas qui a les résultats, mais j'imagine que quelqu'un a les résultats. Voilà, on va se rapprocher. Venez. Ça, c'est les résultats? C'est le coffre-fort? Bon, d'accord. Alors, si vous savez, c'est un petit cocktail. Je tiens également à remercier une nouvelle fois Madame la maire du 12e arrondissement de nous avoir prêté eh bien, cette salle formidable. Et la technique, tous ceux qui travaillent, cette équipe formidable qui sont là depuis ce matin. Voilà, avec l'orchestre de 20 mètres, son, lumière, avec Nico également, tous ceux qui sont là, on vous embrasse très fort, on vous félicite et on vous applaudit, messieurs. Parce que vous allez voir, en quelque sorte, voilà, c'est quelque chose qui est pas évident, avec autant d'artistes et de toutes leurs questions. Voilà, alors tout le monde est là, tout le monde est là, voilà. Là, tout le monde est là, tout le monde est bien là, et bien tous en cœur maintenant. Non, très bien. Non, vraiment, j'en ai... Bien. Alors, un petit mot peut-être à notre directeur.
Oui, déjà pour vous dire que l'année prochaine, pour les inscriptions pour la Polynésie, vous pouvez déjà venir me voir si vous êtes intéressé. Donc, je vais vous recevoir tout à l'heure au cocktail. Prendre déjà votre nom, votre coordonnée, et on vous contactera donc pour vous faire savoir les tarifs pour l'année prochaine, le voyage en Polynésie. Bien sûr. Et j'aimerais avoir Sophie Leloir également qui vient sur ce plateau, s'il vous plaît. Sophie Leloir qui doit être ici, voilà, qui représente la RTT Nui et qui est justement la directrice partenaire, bien sûr, de cette compagnie. Voilà. Alors, bonne journée de chanson, Bernard. Ah ben oui, oui, je tiens à Théo que je viens d'enregistrer un CD dont le titre phare est sur le marché de Papété. Et donc, on reparlera avec Théo, avec... Voilà, on verra plus tard. On verra plus tard. Bon, alors, et nous, alors, bonne journée. Ah ben, on a passé un bon moment, comme à chaque fois, et je pourrais te chanter merci patron, ah, oui. Quel plaisir d'avoir été avec toi aujourd'hui. Ah. Merci beaucoup, merci, on l'applaudit très fort. Il est vraiment génial. Et bonjour à nos charmants, hein. J'ai du goût, ben regarde, d'être à côté de mademoiselle Yves Massina. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas, tu as passé une bonne journée. Excellente journée, merveilleuse, et surtout très émue en entendant Alexandre, qui est une voix extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. Olivier Briac, c'est bien loin la Polynésie. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé un petit peu quand même avec tout. Cette arme polynésienne qui était là, et en fait, il est prêt à me renvoyer là-bas, j'ai hâte de performer. Donc vraiment, un grand merci de m'avoir invité à cette magnifique réunion. Vraiment super, merci Olivier. Alors Fabienne. Un mot pour dire que je viens de savoir que je suis honorée du grade du commandeur du mérite agricole. Ah. Félicitations. Et monsieur là, je voudrais faire un petit coucou à Bartoche pour le plan de sauvegarde de la République canadienne. Qui est un projet structurel, parce que pour être commandeur, il faut avoir un projet fondateur. Deuxièmement, je suis persuadée que Jason ne gagnera pas, à cause peut-être de la chanson, bref, mais je voudrais dire que je suis fan absolue de Jason. Jason, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc voilà, un gros bisou à Jason et vive Jason, je suis fan. Très bien. Alors Yves, toutes ces grandes chansons de Serge Lamar, extraordinaires, Unis, Les Ballons Rouges, eh bien c'est Monsieur Yves Gilbert, on peut l'applaudir très fort. Alors Yves, c'est un très heureux de t'avoir avec nous. Merci. Alors, pareil, même question, tu as passé une belle journée. Bon chanteur, bon niveau. Bon niveau, oui, formidable. Surtout un que j'ai beaucoup aimé, là, le dernier, là, Alexandre, il est formidable. Hein. Il a une voix, elle a une voix, il a une voix, enfin bon, ça fait très bien. Mais j'ai envie. Moi j'ai bien envie de lui faire quelque chose, de lui composer une musique. Hein. Parce que, dis donc, comme il chante bien, et puis il y en a pas mal qui chantent bien aussi dans les concurrents. Hein. Il y en a deux ou trois qui vont bien plus. C'est. Eh bien moi, je voulais dire par rapport à Yves Gilbert qui sortira son prochain album bientôt. Donc voilà, c'est une grande nouvelle, et on vous le dit aujourd'hui, dans son album qui va sortir d'ici la fin de l'année. Voilà. C'est formidable. Par contre, on ne va pas présenter Sonia Bellolo, qui est à côté de moi, Sonia, qui va sortir aussi bientôt un bel album avec des belles musiques, des belles paroles, et comme elle chante bien, voilà. Alors je voulais dire que les belles paroles, enfin les belles musiques, en fin de compte, sont différents auteurs, sont composées par différents auteurs qui sont pas très connus et d'autres personnes qui sont connues et les musiques aussi, les merveilleuses musiques du Gilbert. Merveilleuses musiques, absolument. Ça c'est bon, on peut l'applaudir, hein, franchement. Bien, alors, nous allons connaître maintenant les résultats. Est-ce que la représentante, bien ma chérie Sophie Leloir, voilà, va venir nous retrouver. On va lui donner la maquette, hein, monsieur Antonio de Santos doit être en coulisses, il doit m'écrire, bien évidemment, voilà, il ne doit pas être très loin, bon c'est pas grave, voilà, la maquette, alors on n'a pas monté l'avion, hein, mais enfin ça sera pour le gagnant, bon, certes par contre à Tahiti, mais on continue les échanges entre la Polynésie française et la métropole. Oui, Tahiti est fier de participer à ce pont, de faire l'échange entre la métropole et la Polynésie, et de faire connaître le talent.
Voilà. Reste avec nous, c'est vraiment super. Merci infiniment, Sophie. Nous allons donner les résultats. Monsieur le président, venez à côté de moi. Toi seul connais les résultats, peut-être pas, oui. Voilà. Alors, j'ai vérifié le décodage pour savoir si. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de truc. Avec toi non plus, je le savais aussi, mais j'aime bien vérifier. Très bien. Donc on peut être sûr que ça reflète le vote du jury. Alors je tiens, avant d'indiquer le nom du gagnant, vous informer que si dans votre entourage vous connaissez des jeunes talents, parce que l'association Talents sans frontières maintenant c'est ouvert ensemble à tous les artistes, c'est-à-dire qu'ils prennent contact soit avec Christian, soit avec moi, et puis nous essaierons de les aider à s'habituer, à venir s'essayer sur scène, et puis à les faire connaître et à leur trouver du travail. C'est le rôle de l'association Talents sans frontières. Voilà, allez, roulons en tambour. Voilà, c'est pas la clé du coffre-fort, hein, prends pas mes lingots. Bon, alors, petit bon. Alors, le gagnant de la finale du Tremblin Talents sans frontières, 2000. Et. Vous avez une petite idée? Oui. Je vous écoute. C'est un décès. La une. Les Aristos. Les Aristos. Regardez déjà alors, le trophée, bien évidemment donné par Fabienne, merci infiniment, et puis également une petite baguette de RTT, oui, parce que peut-être avec vous aussi, en Polynésie, on espère vous avoir pourquoi pas, on ne sait pas, mais en tout cas, vous viendrez certainement un jour avec nous. Voilà, photo pour vous. Merci également à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous tous, les amis, on vous aime, merci, vous le savez. Ainsi se termine sur l'abattoir, bien évidemment, et on chante tous en chœur, parce que ça aussi c'est la tradition. Allons-y! Chanter comme un peu rire.